Bonjour Francis. Bonjour Patrick. Je suis très content d'être en face de toi et pour t'interviewer. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler de ton projet futur pour début 2017. Il s'agit d'un joli projet qui s'appelle Bérénice, partition pour un acteur. Exactement. Et tout d'abord, ma toute première question va être toute simple. Pourquoi avoir choisi Bérénice en 2016 et pourquoi vouloir le présenter en 2017 dans une année peut-être un peu particulière, mais tout de même, pourquoi aujourd'hui? Un moment qui correspond plus à un coup de foudre, à une envie, oui. À une... voilà, comme on rencontre quelqu'un, c'est pas lié forcément au jour précis où on le rencontre, mais plus à la rencontre proprement dite. Et donc, il s'est trouvé qu'en tombant sur ce texte, voilà, il y a eu comme un désir, un appel peut-être, d'approcher cette pièce à ce moment-là. D'accord, d'accord. Donc, c'est l'œuvre en elle-même qui t'a appelé. Oui, bon, je la connaissais, je l'avais même déjà montée avec des comédiens, donc c'est pas une œuvre inconnue pour un comédien ou un metteur en scène. Mais il se trouve qu'à un moment donné, j'avais envie de me rapprocher de quelque chose qui se rapprocherait un peu d'un défi, une envie un petit peu de se mettre en danger. On a toujours peur quand vient l'expérience de ronronner, d'être un peu, tout à fait. Tu vois, dans quelque chose d'un peu facile, bon, même si c'est jamais facile. Et donc, en relisant la fameuse préface de Racine, dans laquelle il cite Horace, le poète latin, qui dit que dans une tragédie, tout soit simple et tout soit un. Mmh. Et là, ça a été comme un appel, comme une évidence. J'ai eu l'impression que c'était un petit peu ça qui allait faire peut-être la pièce, c'est-à-dire trouver quelque chose de simple qui se veuille le plus dépouillé possible. Oui. Je crois que ça représente toujours un peu mon théâtre qui se veut le plus élagué, le plus essentiel possible, avec le « que tout soit un » qui m'a beaucoup parlé, où je me suis dit, mais en fait, pourquoi on n'envisagerait pas de travailler cette pièce et de la monter seule en scène. Voilà, d'accord. Ma question suivante, tu as peut-être en partie répondu. Je voulais parler de quelle était ton approche par rapport au texte et au fait que tu sois seul pour interpréter ces six personnages. La démarche, elle est intérieure, paradoxalement. Elle ne cherche pas du tout à montrer ma capacité à pouvoir me transformer en une seconde d'un personnage à l'autre. Chose que je peux faire plutôt dans la comédie, comme j'ai pu le faire dans Don Juan, où tous les personnages se suivaient un petit peu et c'était plus un jeu avec le public de voir un comédien un petit peu caméléon. Là, pas du tout. C'est plus le contraire. Ce sont plutôt des facettes, des parties d'une seule et même personne qui sont là. Je ne vais pas chercher à changer d'un personnage à l'autre, mais plutôt de les rencontrer intérieurement avec des tout petits détails qui parfois seront simplement extérieurs, sur le tissu que va faire le costume, sur des éclairages, peut-être un travail sur le son ou sur la tessiture vocale, mais ça va pas être un numéro. D'accord. Voilà, le désir, il est plus dans un partage de solitude, en fait, avec le public. Voilà, c'est un peu ça. Très joli mot. D'accord, très bien. Je voulais que tu me parles aussi du décor. Que cherchais-tu? L'abandon, la perte à la fois d'équilibre sentimental, social. Je voulais un endroit où les personnages semblaient perdus. Et la première idée était quelque chose qui ressemblerait à un dédale, à un labyrinthe un petit peu, qui représenterait le trouble dans lequel sont les personnages. Et je voulais les voir errer sur le plateau. Et la première idée était donc une idée de colonne romaine, qui serait un petit peu comme une forêt un peu sombre, où les personnages, voilà, encore une fois, erreraient, se perdraient derrière ces colonnes, se cacheraient, apparaîtraient. Bon. C'était un peu simpliste. Enfin, je savais que c'était autour de ça qu'il fallait trouver quelque chose. Et tout d'un coup, en discutant avec Camille Bouvier, scénographe déjà des Vagabonds, elle m'a regardé, elle m'a dit « Moi, je suis artiste aussi, j'expose, et j'ai une œuvre qui pourrait correspondre peut-être,
elle a dit ça humblement, à ce que tu cherches, parce que j'étais pas satisfait de ces colonnes romaines que je trouvais un peu lourdes. Oui. Et elle a montré une photo de sa maquette, et là, on parlait de coup de foudre tout à l'heure, ça a été comme un déclic, puisqu'il y avait effectivement tout ce qu'on cherchait, à la fois l'esprit colonne, l'esprit forêt, le côté trouble, le côté labyrinthe, enfin, tout était réuni, et en plus, c'était magnifique. C'est-à-dire que ce n'était pas un décor mis au service d'une œuvre, c'était une œuvre d'art rencontrant une autre œuvre d'art. C'était plus une rencontre artistique, un échange, je dirais presque à égalité, entre l'œuvre de Racine et ce que je rêve d'en faire, et le travail de Camille Bouvier. Et cette égalité m'a beaucoup plu. On n'a pas un décor... au service d'eux, mais on a une rencontre artistique, une fusion, quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Oui, oui, c'est ce qu'il me semble, j'ai eu la chance d'assister à une de tes présentations, il me semblait effectivement que tu n'étais pas seul sur le plateau, qu'il y avait toi, qu'il y avait ce décor, qu'il y avait le texte. Je me suis jamais senti moins seul que dans ce spectacle, paradoxalement, parce que, outre l'énorme équipe qui m'entoure, parce qu'on ne peut pas faire justement, ça tout seul. Enfin, on pourrait le faire ça tout seul, mais on n'avait pas du tout envie de faire ça chichement, de façon un peu au rabais. Ouais. On voulait que ce soit à la fois simple, mais grandiose et magnifique. Voilà. Et donc on s'est donné les moyens, on essaie de se les donner pour pouvoir aussi montrer ça dans... que ce soit un spectacle de toute beauté. C'est ça, justement. Voilà. Moi, je voulais que tu me parles, pour terminer, un peu de ton équipe. Justement, tu n'es pas seul sur scène. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, on pourrait dire il y a Racine et les personnages, mais concrètement, il y a une équipe incroyable qui, on a parlé de Camille Bouvier, de son décor, de sa proposition scénographique magnifique. Retrouver aussi Noémie Tillier, avec qui j'ai pu travailler sur... qui est costumière sur beaucoup de spectacles et qui est très partie prenante aussi de ce projet, qui va travailler sur le matériau, sur la couleur, le pourpre des Romains, avec à la fois cette fluidité féminine du personnage de la reine Bérénice, et puis aussi derrière tout ça le comédien neutre, simple, qui j'irai pas habillé comme tous les jours, mais voilà. Un travail sur le son avec Ludovic Laforgue, régisseur ici au Pavé, qui va créer une ambiance sonore formidable. Je vais sans doute être relayé aussi par un micro. Donc il va faire tout un travail sur le court jardin, sur la tessiture. Bon, enfin, c'est formidable. Parler de Lucien Vallée, qui sort de l'ENSAT en régie, donc une des plus grandes écoles de régie de France, et qui a accepté, je le remercie, de faire la création lumière aussi de ce spectacle. Je pourrais parler de Jeanne Astru, qui depuis l'origine est là, partie prenante sur la réalisation de ce projet. On pourrait parler de toute l'équipe du Pavé. Enfin, bien sûr. Voilà, tout ça pour dire que finalement, tu n'es pas tout seul, que c'est pas un projet, c'est un projet un peu fou, mais quand même qui est calculé et qu'il y a du monde derrière. C'est un projet d'équipe avant tout, comme toujours, quoi, parce qu'on ne peut pas monter un spectacle tout seul. Un peu de spectacle pareil, si on veut s'en donner les moyens, il faut être une équipe. C'est ça. Et donc Francis, ce projet aura lieu ici même au Théâtre du Pavé. Rappelle-nous les dates. C'est le piège. Je ne les connais pas. Si, du 28 février au 11 mars. Je pense que je ne dis pas de bêtises, mais je crois bien que c'est ça. Très bien. Eh bien, nous serons là pour voir la performance des vagabonds. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Francis.